Il y a un point de bonus ouais, qui au final tombe bien, qui est une semi-satisfaction puisqu'au début, à la mi-temps, on a cru à la victoire. Clairement, on a cru à la victoire du match. On s'est dit qu'en étant devant, si on faisait une bonne gestion de deuxième mi-temps, on pouvait gagner ce match à l'extérieur. Après voilà, beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes, on prend 18 points au pied. C'est pas possible pour gagner un match à l'extérieur. Donc au final, ce point de bonus arraché en toute fin de match, c'est une vraie satisfaction. Mais voilà, sentiment partagé entre satisfaction et déception de ne pas avoir ramené ces 4 points, mais d'en avoir fait quand même. Il reste tout de même un point de bonus défensif pris chez le finaliste du dernier championnat de Pro D2. Et en plus, en toute fin de match, qui montre une certaine force de caractère. Oui, en toute fin de match, ce qui montre de 1 une certaine force de caractère et surtout une vraie. Pour moi, c'est une vraie récompense pour tous les jeunes joueurs qui ont intégré le groupe cette saison et qui étaient déjà là l'an dernier mais qui a un peu moins de temps de jeu. On finit le match, on a beaucoup de joueurs qui ont moins de 22 ans sur le terrain. On a des Jérémy Valenceau, des Bastien Guimain, des Dylan Jacot, des Loïc Baradel. Donc c'est super qu'ils aient pu montrer que le FCG, c'est pas uniquement un club qui parle de formation, mais que si ces joueurs ils sont là, c'est aussi parce qu'ils ont le niveau. C'est pas simplement parce que le club veut ou met des jeunes joueurs au sein de l'effectif pro. Donc c'est bien que ces jeunes puissent taper à la porte et il faut vraiment les féliciter pour cette fin de match qui fut intense parce qu'à la 70e on pensait que les Montalbanais avaient repris l'ascendant et on allait s'arracher un point de bonus défensif qui pourra faire du bien en fin de saison. Donc voilà, ce championnat va être long et c'est toujours important.